Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec du Vapit. Le Vapit X. Le voici, le voilà. Alors, nouveau type, nouveau quartz et nouveau stem en métal. Et avec une belle innovation à l'intérieur, un refroidissement par billes en verre. Alors, nous allons voir ça ensemble avec une revue et un test vapeur. Comme d'habitude. Alors, j'avais déjà fait une vidéo assez complète, je pense, sur l'ancien VQH, Vapid Quartz Heater ou QHC. Juste la partie haute. Hein, ça venait de sortir. Et l'ancien modèle est quand même assez différent du nouveau. On va voir ça de suite ensemble. Alors je vous invite quand même à aller voir cette vidéo parce qu'elle est bien complète. Là sur celle-ci, je vais plutôt survoler quelques aspects, mais sur cette vidéo du, de, de celui-ci du VQH, eh bien, euh, je vous invite à aller, aller la voir. Là, vous pouvez cliquer sur la vignette cliquable à la fin de cette vidéo parce que je parle quand même de pas mal de. De choses qui là un peu différentes. Là, on va parler de l'ensemble. Sur la vidéo, je parlais que de cette euh, ce nouveau type avec cap en quartz. Hein, donc à retrouver sur ma chaîne. Là, nous allons voir tout l'ensemble. Ce vapite X. Alors petit unboxing de ce Vapit X, nous le recevons dans une belle pochette. Voilà, avec une pince pour enlever le cap, le capuchon en quartz au dessus. Nous avons un deuxième capuchon avec, on va voir ça ensemble, des tout petits trous. Et là, les trous sont un peu plus gros. Des grilles, vous allez voir à quoi elles servent elles servent pour deux endroits différents et puis bon un petit engin là petit touilleur ou petit euh, comme vous voulez assez sympa pour prendre euh, des concentrés et puis trois sortes de joints parce que sur ce vaporisateur là nous avons trois sortes de joints sur le type. Voilà, donc voici le petit unboxing. Euh, hein. Alors, les joints, on en a pas mal parce que si on oublie quand on rentre le stem de tourner légèrement, pareil pour le cap, on peut un peu les, les coincer, les abîmer. C'est pour ça, au moins, prévoy... il, y a, il, y a, il y en a beaucoup en prévoyance. J'oubliais aussi une petite brosse pour nettoyer. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour, euh, pour être tranquille. Donc ça, c'était le... On va quand même le sortir, celui-ci. C'était donc le petit unboxing. Voilà. Eh bien, voilà, ça c'est fait. Eh bien, on... bah, voyons déjà la différence de l'ancien VQH et le nouveau. Hein, donc on va le prendre. Donc, vous voyez, il faut tourner. Voilà, pour ne pas abîmer. Euh, et donc là, on retrouve trois joints différents. Un gros pour ici. Un moyen pour le rebord là. Et deux petits au bout. Donc, nous avons trois joints. Cela, c'est pour le cap, le capuchon. Ces deux-là, c'est pour l'intérieur du stem. Et celui-ci, c'est contre le bout du stem. Voilà. Donc ça, c'était. Et donc, voyons voir. Déjà, le type. Hein. Bon, le type, c'est Dynavap, mais là, on va dire que c'est pareil. On va y revenir aussi. Et donc, déjà la forme. Donc ça, c'est l'ancien. Et là, c'est le nouveau. Déjà, la forme est différente. Hein Sur celui-ci, nous avons plus d'anneaux. Sur le nouveau, il y en a moins. Bon, ça c'est la forme. Après, nous avons aussi la profondeur. Sur le nouveau type, eh bien, la grille est 3 à 4 mm plus profonde. Et du coup, c'est intéressant. Si vous voyez bien, bon, c'est assez. Donc, le bol est un peu plus grand. Ma lumière ne doit pas être bien mise. Et donc, donc, nous avons la forme, nous avons la profondeur du bol et nous avons aussi maintenant des petits trous, six petits trous au milieu du type. Voilà, il n'y avait pas sur l'ancien. Donc, quand même, rien que là-dessus, nous avons déjà trois grandes différences. Bon, bah, ben, la forme, hein, sûrement pour la chaleur, la profondeur du bol, et puis des petits trous dans le type. Voilà, peut-être que là, vous voyez mieux de loin. Oui, je pense. Voilà, donc ça, c'était l'ancien. Hein. Et puis, on avait trois. Ici, on avait trois anneaux qu'on n'a plus ici. Et donc ça, c'était pour le type. Et quand au cap, au capuchon en quartz, eh bien, hein, alors il y avait toujours un gros trou et un petit trou, ça dépend de l'aspiration. Il y en a deux. Hein, là on va j'avais utilisé à l'ancienne vidéo les petits trous, là on va utiliser les gros trous, ça tire mieux, j'ai je, je trouvé que c'était plus plaisant. Et surtout, eh bien le quartz est bien plus épais. Et pour ce quartz bien plus épais, eh bien le temps de chauve va être un peu différent que sur mon ancienne vidéo que j'avais faite. Hein, regardez bien, on voit aussi de ce côté-là, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau, donc bien plus épais. Voilà. Donc, en fin de compte, malgré, sans parler du stem, où c'est assez innovant, attention de ne pas perdre les billes, nous avons quatre choses différentes, rien que sur la partie haute du, du vaporisateur, et eh bien avec le cap et le type. Donc, celui-ci, il va là. Vous voyez, là par exemple, euh, on peut éplucher un peu. On peut abîmer un peu les joints méfiants. C'est là pareil, mieux vaut tourner quand le rente. Et là pareil, il faut surtout tourner quand on rentre ou même humecter un petit peu. Et voilà. Et voilà. Alors là, c'est le coup à faire. Donc là, il n'y a plus de billes. Comme ça, c'est plus simple. C'est vraiment le. le là, c'est vraiment. J'ai fait que de perdre les billes tout au long de mes thèses. Donc ça, c'est les deux pour celui-ci avec le nouveau. Là, on le reconnaît de la partie hélice. Et lui, eh bien, c'est l'ancien que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Euh, de suite, celui-ci est encore mieux. Ça, on ne peut pas le nier. Alors, quant au stem, eh bien, au stem, on reçoit, ce que j'ai oublié de dire dans le boxing, on reçoit une, deux, quatre, six, une vingtaine, 18 ou 20 billes. On peut en mettre dans le stem, je crois, jusqu'à 12. 8 c'est pas si mal et 4 c'est encore mieux, je vais vous dire pourquoi. De suite. Alors pour le hein, donc on a le voilà comment ça se présente avec petit ou gros trou. Donc le le capuchon en quartz hein, tout ça c'est en métal. Le le type hein et puis là, nous avons donc un stem assez lourd et qui se dévisse par ici. Vous allez voir, on va pouvoir adapter. Je vais vous parler que, que Vapit à l'origine, c'est vraiment que des accessoires pour Dynavap. Hein. Il y avait des appareils à eau. Ça, j'en parle dans l'autre vidéo. Il y avait euh, pas mal de. de, 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 de... Ouais, et puis il y a aussi le, le DNA. Hein. J'ai fait une vidéo ici. Il y a aussi là le, c'était le 3D, je crois, hein, c'était des, des tiges, il y avait aussi euh, un stem, hein, tout ça. Oh, il y avait aussi euh, euh, toutes les bagues, tout ça, c'est du vapite. Hein. Là, je voulais survoler tout ça. Et donc, voilà, et à l'intérieur, et eh bien, nous avons donc cette partie-là. Nous avons la même grille qui est au fond du bol, et puis, on met ça comme cela. Voilà. Et la grille se vient là. Et après, on visse. Voilà. Et la grille, elle est là. Hein donc elle se met là. Comme ça, les billes sont à l'intérieur. Et donc, les billes font office. Et c'est ça la nouveauté. Hein on avait eu Simrel euh, avec, euh, eh bien avec des stems et puis des torsades. Euh, on avait eu euh, Omnivong, on va revenir. Enfin, on a eu plein de, de sortes de. Hein, pareil, là, euh, là c'était en verre, hein, c'était aussi les colliers Enfin, on avait beaucoup de. Là, là, là c'est euh, plutôt des picots. Hein, tout ça, c'est du vapide, Là, maintenant, on a le refroidissement par billes. Alors justement, on va y revenir au bille, de suite. Alors attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Un hein, trous, voilà. Alors, ce que j'ai oublié de dire, parce que je ne le disais pas, avec les six petits trous que nous avons sur la, en plein milieu, en plus c'est plus grand, eh bien, nous avons plus de convection et nous avons aussi un tirage légèrement plus aéré. Hein, puisque maintenant, nous par rapport à l'autre, là, nous avons donc ces trous là, et donc plus de convection parce que l'air chaud passe. Comme le bol, là, il, y a, il y a plus de matière. Au moins, tout le la bien uniforme parce qu'il y a de l'air qui passe par là et il y a de l'air qui passe au milieu, de l'air chaud bien sûr. Alors il y a aussi quand même un peu de conduction hein, puisque euh, le, le type devient très chaud, hein, mais c'est on favorise la convection mais je pense qu'il y a quand même je le disais aussi un peu de conduction donc ça j'avais oublié de vous le dire voilà un meilleur tirage et donc ça change la durée de chauffe parce que le cap est plus épais alors ça ne change pas vraiment la durée de chauffe mais on va changer de briquet tout simplement bon, on va voir ça bien sûr qu'on va faire le alors le leur flow est assez bas, très pratique. Vous allez voir, il y a deux solutions, on, va, on, on y arrive. Hein, donc, facile à trouver. Et donc, l'originalité de ce système, hein, je pense que c'est le premier, c'est qu'on y met des billets hein, jusqu'à 12. On démonte la partie bastien si grille, Voilà. Hein, c Alors, voilà, on va, on va parler, il y a un petit souci. Pour moi, non. Mais je, 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 peux, je peux le comprendre. Eh bien, figurez-vous que quand nous mettons les billes, les billes de ce côté-là, il n'y a pas de grille, il n'y a, a rien. Et les billes, eh bien, une fois sales, elles pourraient éventuellement se coller à l'intérieur. Si on s'en sert, eh bien, le. Le, le type vers le bas. Moi, je l'ai utilisé qu'avec des billes plus ou moins propres. Il n'y a aucun souci. Hein, alors, je voulais vous faire voir quand même, hein, puisque euh, je me suis confectionné, vous savez. Euh, admettons qu'on met... Alors, c'est pour ça que je préconise 4 billes. Parce qu'avec 4 billes, vous allez voir, il y a vraiment... aucun problème. Hein, imaginons que je mets mon stem en bas. Donc, vous voyez, la bille là pourrait éventuellement voyez coincer le... Je vais mettre mes doigts comme ça pour essayer. Et si je souffle, là, la bille tourne et elle monte. Hein? Alors, avec, avec 8, bon. Méfiance, il faut souffler un peu plus. Bon, pour moi, ce n'est pas un problème parce que là... Alors peut-être une fois très sale, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'admettons, on fait comme ça. Elle se colle dedans. On le laisse en position comme ça une nuit. C'est sûr que le lendemain, eh bien, peut-être que ça ne bouge plus. Donc, bon, pour moi, il faut s'en servir peut-être pas avec les huit billes. Ou alors, il faut s'en servir avec des billes propres. De plus... Les billes, les billes, le problème, c'est qu'on est. Voilà, je préfère faire ça. Et de plus, on peut aussi tout simplement, moi je, je le fais instinctivement. Eh bien, alors attention quand vous poussez le tout, mieux vaut enlever et puis après le remettre. Eh bien moi, quand je chauffe le le, le, là, là, le, le capuchon. Eh bien, j'ai tendance à le prendre comme ça. Donc là, les billes sont en bas. Et je mets instinctivement mon pouce. Et puis je le mets à la bouche dans cette, dans, dans, dans cette configuration. Donc je suis pas dans ce sens-là. Donc je fais comme ça. Je coince et j'aspire tête en haut. Alors bien sûr je vous ai pas dit mais euh, c'est un embout, hein, Vapit est très fort là-dessus, euh, 10 ou 14. Hein. Euh, là c'est du 14 mm et on peut aussi le mettre dans du 10 mm. Alors pas de problème aussi quand on le met sur un bong parce que eh bien forcément la tête est en l'air. Bon petite précision, je sais pas ça peut peut-être être, être arrivé que une fois sale on le, on le coince et puis bon il faut démonter, mais enfin c'est quand même pas un gros problème. Donc là on va, oui, alors voilà. Donc voilà, je vous l'ai dit, ça se débouche. En principe, quand on aspire, vous avez bien vu, ça se débouche. Moi, j'en mets 4 dedans, ça me convient. Peut-être qu'avec 8, 9, peut-être qu'une fois sale, c'est plus compliqué à déboucher ce truc-là. Alors, moi, comme je vous dis, avec 4 billes, pas de souci. Voilà. Alors. Alors, le, les solutions, c'est soit de le tenir vers le haut, hein, avec l'ergonomie, comme je vous ai fait voir, hein, pour boucher le carbone avec le pouce, soit, ah oui, soit, pourquoi pas, bon, moi, euh, moi je ne mettrai rien, et puis on n'en parle plus, mais bon, hein, puisque j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, eh bien, pourquoi pas, éventuellement, mettre tout simplement en, en, une grille Magti, hein, qu'on coince là-dedans, et puis voilà, hein, la, la, la bille, elle ne peut plus se coincer dedans. Hein, voilà, euh, la bonne blague. Ou soit, euh, pourquoi pas, hein, ce, là j'ai dé détricoté un, un liquide pas euh, Mighty toujours, en prendre un petit bout, et puis pareil, on, on l'enfonce. Et puis du coup, la bille, elle ne peut plus euh, toucher et s'enfoncer comme elle fait exactement la même épaisseur. Le même diamètre, voilà. Hein, donc, il euh, y a toujours moyen. Mais enfin, bon, euh, ça, ça marche quand même bien. Et les saveurs sont quand même excellentes. Et je vous dirai en conclusion, justement, ce que j'en pense aussi. Donc, là, on va mettre 4 billes. Parce qu'avec 4 billes, ça me convient bien. Voilà. Donc, avec 4 billes. Et eh bien, ce qui est bien, c'est que même comme ça, si on aspire, la dernière petite bille roule et il laisse bien passer l'air. Enfin, et comme ça, ou alors s'en servir comme ça, pas de problème. Allez, je l'ai dit, soit aspirer un peu plus fort, bon, ça passe aussi. Enfin, c'est pas un problème. Voilà. Alors, un truc aussi assez intéressant hein, avant de faire le test, mais on y vient, on y vient. Hein. Patience. Eh bien, on peut déjà et je l'avais dit dans l'autre vidéo pour ne pas oublier de suite, eh bien, ne pas s'en servir avec un quartz parce qu'on n'y arrive pas, parce que, eh bien, on peut prendre tout simplement n'importe quel cap, et puis ça clique euh, cap d'Inavap, et puis ça clique, clique, et hop, on s'en sert. Hein. Donc, pourquoi pas, quand on l'achète, s'acheter un cap d'inavap, un captive cap. Pour, ben, pour avoir une autre aussi sensation, hein, c'est pas tout à fait pareil. Donc ça c'est une première chose. Et, et aussi, on peut aussi ne pas mettre de billes et mettre aussi des euh, accessoires d'inavap, et eh bien écoutez, on recommence. Je les enlève. Pourquoi pas hein, Je vous dis que alors. Alors avec du simrel, eh bien, on peut le mettre, mais il faudrait légèrement tordre les deux petites barres, parce y a un endroit d'usinage c'est un tout petit peu plus épais. Donc si on tordait un tout petit peu, je l'ai pas fait. Hein. Ça c'est avec mon la tige simrel là qu'on peut adapter sur n'importe quel. Vous pouvez retrouver la vidéo. Eh bien, voilà. Hein. Ah, imaginons qu'il y a la tige Simrel, pas de souci. Donc ça peut aller. Euh, je cherche le nom Stinger, je pense. Après, on peut tout simplement mettre, si on ne veut pas mettre de billes et tout ça, et eh bien mettre, là je ne vais pas le rentrer à fond, mais un condenseur. C'est après pour l'enlever. Voilà, vous voyez, on peut mettre le condenseur. Après, pourquoi pas bah, mettre tout simplement. Un embout si on voulait hein et puis bon, pourquoi pas un embout et puis on peut mettre aussi sur le l'omnivongue et le et l'omnivap alors sur l'omnivap hein, des vidéos à retrouver aussi hein, sur ma playlist et eh bien comment ça marche pourquoi pas mais tout le système de qui ne va pas être si mal, je n'ai pas fait l'essai, de l'Omniva 21 ou même, en plus avec c'est avec, réglable, on ne va pas revenir là-dessus, ou même, ou même, le petit omnivongue l'appareil hein, c'est réglable et eh bien pourquoi pas le mettre hein. tout ça c'est la force de vapit vapit hein, ils ont tous les accessoires là que vous voyez tout ça ça passe avec du le condenseur le verre les petits paniers enfin bon tout tout, tout je vous ai déjà fait voir hein, plusieurs fois tout ça ça passe avec du vapit hein. c'est ça qui est intéressant la preuve nous avons même des accessoires, et encore, je n'ai pas tout, hein. on pourrait encore en trouver. Alors, une petite chose, je vais le dire aussi tout de suite. Eh bien, euh, méfiance sur le Vong titane, Alors, je voulais dire en conclusion, mais hein, le, ça, c'est en, en métal, en acier, ça, c'est en titane, il est bien plus léger. Par contre, le. Le, le, le système du du vong métal euh, titane pardon ne ne, ne rentre pas voilà bon écoutez on va pas par contre un hein, pareil bien sûr euh, le l'embout hein, du, le, le, du qhc là rentre à peu près rentre à peu près sur tous les embouts qui se font peut-être pas simrel parce qu'il est peut-être un peu trop long mais pratiquement, pratiquement sur tous les embouts. Donc tout ça, c'était, c'était voilà, je tenais à vous le dire. Là, je pense que pour, là, je pense qu'on peut remettre la grille. Hein Donc il y a deux grilles en fin de compte, une là et une au fond du. Alors on y va, elle est mise, on remet nos 4 billes, je trouve qu'avec 4 billes, ça me va bien parce que je n'ai pas besoin d'aspirer trop fort. Je prends aussi le, le capuchon à gros trous, cette fois-ci. La, la fois dernière pour celui-ci, je trouvais que le capuchon à petit trou était mieux. Et bien là, c'est le contraire. Donc j'ai mis mes 4 là, ouais, les, les, les joints, méfiance. Et là, il est prêt. Donc j'ai pris le, voilà, les gros trous. Donc ça c'est fait, hein. donc on peut adapter des stems, on peut remplacer les billes par des accessoires, hein, le cap aussi. Comme je disais, hein, le mark vapit, hein, c'est des verreries, des appareils à eau, hein, tout ça s'adapte avec DinaVap. Hein. On peut mettre les condenseurs, je l'ai dit, voilà, Simrel, condenseur VapCap aussi. Alors, le STEM mix s'adapte sur des. Je l'ai dit, excusez-moi de me répéter, 10 mm, 14 mm. Et alors voilà, on va venir à la chauffe et on va venir euh, au vif du sujet. Hein. Avec celui-ci, eh bien, on faisait, hein, euh, on peut faire comme on veut, il y a deux façons. Hein. Je faisais, je comptais jusqu'à 20 dans ma tête, le, le quartz était moins épais, euh, avec ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire 4-5 aspirations à la suite, avec... En deuxième et troisième aspiration, encore plus de vapeur, hein, parce que ça continue de chauffer le quartz. Et puis, pour la deuxième chauffe, on allait jusqu'à 8-10 secondes. Et puis, on refaisait encore 4-5 aspirations. Hein. Alors, lui, le bol est encore plus grand, pourquoi pas 3, on va, on va, on va tester. Eh bien, avec ce quartz plus épais, eh bien, on fait la même chose, mais au lieu de prendre... Une flamme, et eh bien on en prend trois hein, avec le verre moins épais. Une flamme allait bien avec l'ancien. Alors il ya aussi une autre façon pour avoir de bons yeux, et eh bien c'est que quand vous chauffez votre euh, votre quartz, le cap quartz, et eh bien la flamme est bleue, et au moment où elle commence à devenir orange c'est que c'est bon, donc soit vous comptez dans votre tête ou soit à force hein, avec un peu, avec un peu d'habitude, et eh bien vous voyez que votre flamme là, vous voyez, elle, elle est bleue et après elle va devenir un peu orange, vous arrêtez, c'est à vous de voir, on compte ou on attend que la flamme soit orange, donc là on va donc prendre hein, le briquet trois flammes, et pas le une flamme. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va sûrement Voilà, et moi ce que vous allez voir, je vais le tourner comme ça et puis je vais aspirer vers le haut. Il n'y a pas de problème. Voilà. Hein. Et puis en plus c'est propre. Donc quand c'est propre, il n'y a pas aucun aucun souci. Voilà. Alors, on voilà, donc je l'ai dit, là on va faire on va faire la même chose, 20 et après 10. Mais plutôt, qu'on va prendre une trois flammes plus puissantes que, que euh, avec le, le quartz moins épais. Alors voilà, soit on compte, ou soit on regarde que la flamme devienne orange ou, ou, sur le bord. Moi, le problème, je préfère compter parce que bon, si je vois pas bien, hein, Bon, c'est à vous de régler. Allez, on le remplit. Alors pas trop tasser, ces convection. Mais comme, mais comme il, il est, le tirage n'est quand même pas si serré que ça, même plutôt voire aérien, on peut un petit peu le remplir sans souci. Hein. Et donc, comme je vous disais, hein, il a un bol du même diamètre, mais un petit peu plus profond, de quelques millimètres, mais ça joue quand même. Allez, on remplit ça. Alors, ce qui est bien avec Dynavap, ce qu met... Quoi qu'on mette dedans, des plantes, tout ce que vous voulez, on arrivera toujours à faire de la vapeur visible. Hein? Donc, attention, il faut quand même que je me concentre parce que soit j'en mets trop, soit j'en mets. Enfin, souvent, j'en mets pas assez. Et là, je pense que c'est bon. Alors, hein, ça peut être du micro-dosing, mais vous allez voir, ça déménage. Hein? Et donc, on peut. Si on. On va jusqu'à son maximum, on peut faire 4-5 aspirations très fortes et, et on sèche son bol, hein. on finit son bol. Si on va un peu moins loin, on a plus de saveur et on peut recommencer une fois, voire deux fois, mais là on chauffe moins parce que tout est déjà bien chaud. Hein, on avait le, le bambou, là c'est pour attraper le... quand on veut tout de suite en refaire un autre. Et ah oui, ça bouge bien. Il est mis, hein, le, voilà, on, on, on voit à travers, et on y va, et on va, on va essayer de se, pas de se louper, hein, mais en principe ça marche quand même bien. Alors voilà, hein, alors peut-être que même si on fait, je vais faire 20 secondes, on va y aller. Après de plusieurs aspirations, après on va refaire 10 secondes, on va y aller, et si je refait une troisième chauffe là je ferai peut-être que huit secondes hein, parce qu'à chaque fois ça chauffe un très bonne restitution des saveurs donc là je vais quand même compter jusqu'à 20 plutôt que de comme je fais pas ça juste devant vous vous allez peut-être voir pas voir que le long du du quartz la flamme quand elle commence à devenir rouge jaune orangé elle change de couleur c'est bon allez on y va je vais compter je vais compter 20 et je je tourne, je fais comme je veux. Pour ne pas s'embêter, on prend un, 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 un type d'Inavap, un cap d'Inavap, et tout va bien. Donc là, j'ai tout bien mis. Et vous voyez, là, c'est quand même assez ergonomique. Parce que je vais tourner, je vais trouver, et je vais aspirer comme ça. Allez, c'est parti. Une, deux, trois, quatre.

Impeccable. Vous voyez la deuxième et, et, et ça continue de chauffer. Voilà. Ah, vous voyez, j'en ai fait 5 à la suite. J'étais quand même déjà bien pas mal séché. 5 hein, en... cinq, cinq à la suite. Hein, C'était euh, mais bon, impeccable, vous allez voir, là, il j'avais très uniforme, Donc là, je vais faire que 8 que là, parce que je crois que je l'ai bien monté en température. Je vais faire que 8. Et j'avais vu le, que la flamme devenait un peu euh, orange. Donc euh, il fallait que j'arrête. Allez, on va pour bien le finir, on va faire 8. Quand il est encore chaud. 1 2 3 4 5 6 7 8 Je vais pas trop, j'ai pas envie de J'aurais pu faire peut-être 10 mais bon après moi, comme je vous dis, je ne suis pas un violent. Euh, je pense que là, on peut voir hein, à travers hein, que il est fini. Donc là, je vais prendre la pince. Allez, soyons fous. Pince en bambou. Voilà. Et puis, voilà, Pas là-dessus. Et puis. Et puis, et puis, euh... et puis voyons voir. Je vais prendre un petit truc. Je veux que vous la... vous voyez avec moi. Hein. Oui, j'aurais pu aller à 10 au lieu de 8 et, et peut-être encore un tout petit peu. Alors là, vous voyez, il n'y a, a vraiment pas de problème, hein, ça. Et donc, regardez-moi cet AVB. Mais on ne fait pas mieux. Ça n'existe pas un AVB qui est encore légèrement brun verdâtre. Euh, pas de point de combustion. Pas... Même s'il n'y a pas de clic. Ça fonctionne assez facilement. Mais merci, monsieur Vapit. Merci. Hein, il y a toujours un service après-vente. Il est sur les réseaux. On peut le joindre assez facilement. Euh, C'est quand même quelqu'un, on va dire, marque chinoise. Marque chinoise très fiable. Alors, voici, voilà. Alors, écoutez, là, on a, on a vu le. Ah ouais, de loin. Pff, de loin, je ne sais pas si vous voyez, mais il est encore vert. Et faites un. Si vous, si vous pouvez. Il est top niveau. Alors. On ne va pas cacher la marque. Allez. Soyons fous. Alors. Allons-y. Alors. Très bonne restitution. La BB très homogène. Encore mieux que l'ancien. Je pense que d'avoir des petits trous en plus, les six petits trous dans le. Au milieu du, du type, eh bien, ça, c'est encore un plus. On aurait pu mettre plus de billes, hein, mais bon, moi, je trouve que c'est déjà bien comme ça. Et puis, il n'y a aucun problème. De toute façon, moi, je, mon, mon, le stem est en l'air. Alors, la conclusion. Eh bien, Vapit nous régale encore. Et puis, je trouve qu'avec les gros trous, eh bien, c'est très, très, c'est même aérien. Donc, on, on, on aspire juste comme on a envie, quoi. Ni fort, ni moins, mais ça vient tout seul. En plus, plus gros bol. C'est quand même assez puissant. Eh bien, alors, vas-y, oh, je le me répète, Vapit nous régale encore. Plus, peut-être, avec le QHC que le STEM. Moi, j'aime pas trop le métal quand c'est lourd. Bon, c'est. Je, lui, 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 il est en titane, mais le problème, c'est que si ça c'était en titane, eh bien, ça coûterait beaucoup plus cher. Parce que là, le, le, c'est un gouffre qui les sépare tous les deux. Hein, hein, Celui-ci, je crois qu'il était à, à, à 200 euros, un truc comme ça. Et lui, il est à moins de 40 euros et voire 35 euros. 35 euros, vous avez les billes, la pochette et tout ça. vous Voyez, je suis très, un très bon représentant et euh, bien sûr, avec le code REMLAC10, vous l'avez à 35 euros. Eh bien, écoutez, je crois, honnêtement, pour les restitution des saveurs, qu'il n'y a pas mieux sur le marché, à 35 euros, vous avez... Vous pouvez déjà changer le stem, enfin, mettre du nilavape. Vous avez deux capuchons différents pour des sensations différentes. Pour peu que vous aviez un dinavap, comme souvent, ça s'adresse à des gens qui aiment les vapeurs pour autres vous pouvez mettre un, vous sortez, plutôt que vous avez peur de louper le truc, vous mettez un capuchon qui clique, dinavap. Après, pourquoi pas mettre un stem elix dessus, enfin de tout ce que vous voulez. Et donc à 35 euros, eh bien, je pense que c'est une affaire. Souvent, je dis, les vapos, ben voilà, il y a ça qui est bien, ça qui n'est pas bien, voilà, je n'insiste pas, ou, euh, bon, là, celui-ci, je vous dis franchement, euh, eh bien, il est vraiment super sympa. La qualité, euh, on a l'impression que c'est abouti, il y a beaucoup de joints, c'est vraiment le truc qui a abouti, peut-être plus que celui-ci, qui déjà nous avait régalé aussi. Alors, voilà. Hein, alors, bon, voilà pour les affiches, de ce genre d'engin à vapeur, il faut en avoir un. 35 euros, c'est un quart d'un caddie. Bon, j'arrête là. Alors, c'est sûr, au niveau des saveurs et, et du fait qu'on peut faire quatre ou cinq aspirations à la suite, hein, vous l'avez vu comme moi, il surpasse presque la célèbre marque Dinavap. Je ne le dis pas très haut parce que je ne veux pas faire de. De polémique non je blague mais en tout cas il a sur grave alors bien sûr il n'y a pas de clic faut prendre l'habitude hein, mais l'habitude vient assez vite on peut aussi contrôler avec sa flamme voilà c'est euh, on peut mettre aussi un captive cat mais là le charme sera un peu, petit peu quand même euh, euh, rompu je trouve alors voilà et eh bien écoutez je vous dis belle affaire alors bon bon nuage à tous à la prochaine Prochaine, ce dimanche prochain à la même heure. Ah oui, alors soit cliquez par ici pour vous abonner ou soit cliquez par là pour voir le QHC. N'hésitez pas hein, à, à continuer à regarder des vidéos sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, la bise de Bretagne, salut.